J'ai fait une licence LEA en anglais et espagnol, et ensuite je suis arrivée à Bordeaux pour faire le master langue affaires interculturalité. Donc les connaissances que j'ai pu réinvestir dans mon terrain de stage, c'est surtout les connaissances linguistiques, puisque j'ai participé à l'élaboration de dossiers d'homologation pour le Mexique. Donc j'ai fait pas mal de traductions aussi pour... Donc ça, c'était plutôt en espagnol, mais j'ai fait aussi des traductions en anglais parce qu'on a préparé un salon qui s'est déroulé à Amsterdam, donc on communiquait surtout en anglais. Donc aujourd'hui, je travaille dans l'entreprise qui m'a accueillie en stage, où je suis assistante de gestion, où je suis amenée à être en contact avec des anglophones et des hispanophones. D'une part, ce qui intéressait l'entreprise, c'était mes connaissances linguistiques, puisque aujourd'hui, du fait que je continue à travailler dans cette entreprise, je suis amenée à être en contact quotidiennement avec des gens, des étrangers, mais surtout des hispanophones et des anglophones. Et d'autre part, j'ai acquis des connaissances en gestion qui font que j'ai su m'adapter à cette entreprise. Enfin, c'est ce qui les a intéressés pour me garder ensuite. Donc mes perspectives d'évolution sont de continuer à travailler dans le secteur médical, dans cette société-là ou dans une autre, ça va dépendre de ce que l'avenir me réserve. Après, peut-être en étant un peu plus intégrée dans un service export ou développer le service export dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement.